La SFB rassure avant la réception du Coton Sport de Garoua face au RCB, sa meilleure rivale. Les Buffles dominent les débats et enchaînent une troisième victoire d'affilée. Les voyants sont au rouge pour Saltas, par contre, qui tombe face à la GEB de Bobo Dioulasso au stade du 4 août de Ouagadougou dans ce choc entre le leader et l'avant-dernier au classement. Saltas perd son fauteuil de leader avant le match aller des préliminaires de la Coupe de la Confédération au stade du 4 août, mardi, face au Wakria de Guinée. Et puis, le cercle des partenaires de la GSB autour de son concept de meilleur joueur du mois s'agrandit avec l'arrivée de la marque Rexona. Une convention a été signée ce jeudi entre les deux structures. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci de choisir la RTB, la chaîne au cœur des grands événements, pour vous informer sur l'actualité sportive nationale et internationale. Cet après-midi même, match avancé de la 12e journée du Faso Foot, Michel Batiebo a porté la SFB dans le derby bobolais face au RCB. L'attaquant des Jaunes et Noirs a offert la victoire aux hommes d'Oscar Barreau en inscrivant l'unique but de la partie sur cette tête à la 40e minute, son 7e de la saison. Et voilà, on revoit encore ce but de Michel Batiebo. Et donc, à la mi-temps, la GSB a profité pour remettre le prix du meilleur joueur du mois d'octobre à Sami Da Sansan, meilleur buteur du championnat avec 8 réalisations. Voilà, Sami Da Sansan qui reçoit donc son prix du meilleur joueur à GSB du mois. Demain, donc, du vice-président de la GSB, Salif Guigma, et le maire de la ville de Bobo. Donc, cette victoire rassure la SFB avant d'aborder la campagne africaine qui se joue ce mardi face au Coton Sport de Garoua du Cameroun, au stade Sangoulé, la Minzana de Bobo Dioulasso. C'est à partir de 15h30. Et puis, Saltas a tremblé face à l'avant-dernier du classement. Ladji Koulibaly et donc ses hommes sont tombés ce soir même devant la GEB de Bobo Dioulasso. 1-0, but inscrit donc à la 33e minute par Cheikh Oumar Cissé, qui permet donc à la GEB d'arracher 3 points. La première victoire donc de la GEB depuis 12 journées, et la GEB qui frappe un grand coup. Par contre, Saltas est inquiétant avant son match préliminaire de la Coupe CAF mardi face à Wakria de la Guinée-Conakry. La 12e journée du Faso Foot annonce également un choc, et non des moindres, le choc, le face-à-face Rai Club du Kadiogo et Étoile Filante de Ouagadougou au stade du 4 août. Et en prélude à cette rencontre, les deux entraîneurs étaient en conférence de presse suivant les joutes oratoires des deux maîtres à penser avec Jean-Eude Bayala et Kalfa Ouattara. Vous avez une grande équipe, presque une grande équipe, avec des supporters qui sont exigeants, les joueurs sont obligés de se défoncer. Donc je pense qu'il faut, quelle que soit sa position, reste quand même une des locomotives de notre football, même si ces dernières années, il y a beaucoup de difficultés, comme dans toutes les équipes d'ailleurs du Burkina. Donc nous pensons que le faux est un adversaire très dur à jouer, et nous en sommes conscients. Donc on va quand même tenir compte de ces paramètres-là pour pouvoir faire un bon match. On sait que le match ne va pas être facile. De toute façon, aucun match n'a été facile avec nous. Parce que quand on nous considère toujours le gros calibre, alors qu'on est en train de suer l'arme pour vraiment bien tirer, donc ça nous donne des difficultés. Mais néanmoins, disons qu'on veut que le match arrive vite, qu'on puisse aussi montrer ce qu'on sait faire. Une grande équipe demeure, attends, garde toujours son statut. Tant que c'est possible, vous allez les voir réagir à un moment donné. Je pense qu'il y a 2 ans, ils ont fait la même situation où ils ont pris la Coupe du Faso et terminé fort dans le championnat. Et aussi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe beaucoup. Le classement n'est pas aussi écarté. Les points sont très serrés. Malgré la 12e place de l'EFO, après 2 victoires, et puis ils se propulsent très loin. Je pense qu'il ne faut pas dormir sur ces calculs-là, qui en réalité pour moi ne font qu'endormir les gens. Et si vous avez vu le haut du tableau,
c'est très serré, c'est à 3 points, c'est-à-dire que c'est à un match. Tout peut se passer. Aussi au bas, c'est la même chose. Nous, nous respectons le foot, comme tous les adversaires, nous sommes dans un match difficile et les garçons sont conscients. Nous, on ne se met pas sur la même longueur d'onde que le RCK, mais sur le terrain, on vendra chez notre pot. Et c'est un défi à prendre. Je ne vais pas à une victime risée ou quoi. Non, non, non. Avec mon équipe, on est conscient que on doit travailler tout en respectant le RCK, on doit gagner le RCK pour avoir les 3 points. Donc on n'envisage même pas la défaite. RCK et FOS pour ce dimanche à partir de 17h45 au stade du 4 août de Ouagadougou. Mais avant, à 15h30, il y aura le défi entre l'AS Sounabel et l'Union sportive de Ouagadougou, toujours au stade du 4 août. Sur le terrain de Saponé, samedi, à partir de 15h30, il y aura Majestic ASEC de Koudougou, ASEC de Saboteur. Et puis, Banfoura accueille donc l'AS Douane pour son retour sur son terrain. Donc, Banfoura, l'USCO pardon, de Banfoura qui accueille l'AS Douane. Et puis, au stade du 4 août de Ouagadougou, toujours samedi, l'ASFA Yenenga reçoit Raimo à 15h30 et à 17h45. L'AS Police sera face à l'USFA. Le concept du meilleur joueur AJSB plaît auprès des partenaires. Resuna associe désormais son image à ce concept. Le mariage entre la marque Resuna et l'AJSB, l'association des journalistes sportifs du Burkina, a été scellé jeudi à Ouagadougou. Voici la réaction du représentant de Resuna et celle du président de l'AJSB après la signature de la convention. Ils sont au micro de Jean-Eudes Bayala et Kalfa Ouattara. Vous savez que l'an passé, on a lancé le meilleur joueur à JSB du mois. Et nous sommes ravis qu'après un an d'exercice, ce projet-là connaisse aujourd'hui une certaine attraction de la part des partenaires. Alors, c'est le lieu pour moi de saluer KGB Resuna, qui a cru au projet qu'on a présenté, que la JSB a présenté, donc lui a présenté. Pour soutenir, pour accompagner cette initiative qu'on a eue depuis un an. Et merci à votre structure. On espère qu'on va pouvoir travailler de sorte à mériter davantage la confiance, non seulement de KGB Resuna, mais aussi d'autres partenaires qui sont là, qui observent, qui voient ce qu'on fait et qui pourraient être intéressés à nous accompagner. Depuis fort longtemps, nous suivons les activités de l'association des journalistes via le réseau social Facebook et les autres médias. Nous nous sommes dit que c'est vraiment une activité sur laquelle notre marque doit partir, parce que le nouveau slogan de Resuna, c'est « Sois le nouveau champion ». Donc on s'est dit qu'avec le joueur du mois, nous pouvons récompenser un champion qui se battra les années à venir pour le Burkina Faso. Déjà, nous avons décidé cette année d'accompagner le joueur AJSP avec un maillot floqué du logo de l'AJSP de Resuna. À la suite de cela, il y a un ensemble de produits Resuna, déodorants et autres qui seront donnés au joueur AJSP du mois. Autre mis cela, à part le joueur, Resuna est en train d'étudier à voir comment accompagner l'AJSB sur d'autres activités. Donc le partenariat AJSB-Resuna ne sera pas juste pour le joueur du mois. Ça va s'étaler sur d'autres activités que l'AJSB mènera. Longue vie donc à ce mariage. 28 équipes de 28 villages de la commune rurale de Tanguin-Dassouri et environnant vont compétir pour la Coupe du Mai de Tanguin-Dassouri. Une Coupe du Mai lancée jeudi à Bazoulé. Et en match d'ouverture, Bazoulé s'est imposé devant Boulsin au tir au but 4-2 après un score nul de 0-0 à l'issue du temps réglementaire. La finale interviendra le 11 décembre à Tanguin-Dassouri. Oscar Soulama, Samira Sana avec la voix de Mahamadi Wena. Une foule des grands jours à Bazoulé pour accueillir la première édition de la Coupe du Mai de Tanguin-Dassouri. Pour le coup d'envoi, c'est Bazoulé en jaune contre Boulsin qui donne le ton. Une rude bataille entre deux équipes qui visent le podium.
Le match est serré et le temps réglementaire se solde par un score nul de 0 but partout. C'est une séance de tirs au but qui est servie à la population de Bazoulé pour désigner le vainqueur. Bazoulé se montre plus adroit et s'impose par 4 tirs réussis contre 2. Toute nation, toute commune, nous avons besoin de donner en tout cas la chance à tous ceux-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui aiment le sport, de pouvoir s'exprimer. Et ce soir, nous avons vu que l'ensemble des villages de Tangandassouri se sont engagés pour la première édition. Et ce n'est qu'une première. Et si tout se passe bien, je crois qu'on va continuer. Et ça pourra nous conduire à la mise en place d'une équipe communale. Lorsqu'on a la possibilité de réunir la jeunesse pour échanger et faire passer des messages tendant à la cohésion sociale, c'est par là que nous pouvons avoir leur accompagnement dans la lutte contre l'insécurité qui règne présentement dans notre pays. Et à travers cette cohésion sociale, à travers le sport, à travers ces échanges, on peut les sensibiliser pour que l'observation du civisme soit de mise afin qu'ensemble nous puissions nous tenir la main pour le développement du Tangandassouri, de la province du Kadiogo et partant de tout le pays de Burkina Faso. 28 équipes issues des 28 villages de la commune rurale de Tangandassouri et environnant prendront part à cette coupe. La finale est prévue pour le 11 décembre prochain. 14 équipes, dont 2 de la ville de Orodara, prendront part à la première édition de la Coupe du Verger, une compétition qui regroupe 13 communes de la province du Kénédougou. Avant le lancement de cette compétition, au stade du 4 août de Orodara, le promoteur nous donne plus de précisions sur les objectifs de ce tournoi. Il s'exprime au micro de Moussa Ouedraogo et Kalfa Ouattara. L'objectif de la Coupe du Verger, c'est d'abord créer la cohésion, parce que vous savez que le football est un facteur important de cohésion. Et quand vous prenez une province comme la province du Kénédougou, ou quand vous allez de Ndorola ou de Kourouma à Kangala ou Koloko, vous avez au moins à faire 150 à 180 km. Ça veut dire que c'est une province qui est très très étendue. Donc l'objectif de la Coupe, c'est d'abord de pouvoir amener les jeunes des différentes communes de la province à pouvoir donc se côtoyer et à pouvoir créer donc une cohésion et avec donc un esprit d'appartenance à la même province. Nous savons déjà qu'à Orodara, les jeunes aiment le football, les femmes aiment le football. Nous demandons donc à l'ensemble de la population de sortir pour pouvoir donc nous accompagner et montrer déjà dès cette cérémonie donc de lancement qu'on peut désormais, il faudra compter avec la Coupe du Verger, aussi bien au niveau de la province du Kénédougou qu'au plan national. Le lancement donc de la Coupe du Verger, c'est pour ce samedi 24 novembre du côté du stade du 4 août de Orodara. Ramongo Day, un événement qui associe le sport à la culture dans la commune de Ramongo, dans la région du centre-ouest, si vous voulez, près de Koudougou. Et pour la 4e fois consécutive, le promoteur Alexandre Legrand Rwamba tient le pari de l'organisation de cet événement, cadre de rencontre de dialogue entre les filles et les fils de la localité. Le promoteur donne plus de détails au micro de Moussa Ouedraogo et Alain Didier Compaoré. C'est vrai, le concept Ramongo Day a été créé il y a de cela 3 ans. Juste pour pouvoir rassembler les filles et les fils de la commune émergente de Ramongo, parce que nous nous sommes rendus compte que c'est ensemble que nous pouvons bâtir notre commune. Et c'est pour cela que nous avons initié un tournoi de football qui concerne les 9 établissements secondaires donc de la commune. Et en plus du tournoi de football, nous avons pensé qu'il était bon chaque année de choisir un thème pour sensibiliser et les élèves de Ramongo et la population de Ramongo. Cette année, nous avons choisi comme thème pour l'assainissement des eaux usées et excrétées, Ramongo s'engage. Nous invitons chacun et chacune, tous les Ramongolais, à se mobiliser autour de cet événement parce que c'est le seul événement qui mobilise la population de Ramongo une fois par an. Donc la jeunesse a besoin de s'épanouir. Et quand vous prenez l'exemple des compétitions de cette année, elle était tellement relevée. Plus de 2 semaines après la
Plus de deux semaines après la 31e édition du Tour cycliste international du Faso, le comité d'organisation s'est réuni pour tirer un bilan. Un bilan jugé satisfaisant. C'était mardi à l'occasion d'une conférence de presse face aux journalistes Salifou Belem et Kalfa Ouattara. À l'ère du bilan, l'édition 2018 du Tour cycliste international du Faso est une réussite au double plan sportif et politique. Dans le contexte sécuritaire particulier du Burkina, sillonner le pays de long en large avec un peloton si joliment coloré est l'une des plus belles victoires sportives, politiques et diplomatiques de notre pays. Le défi sécuritaire est relevé. Le comité d'organisation se satisfait d'autant plus qu'au plan comptable. Le bilan fait état d'un budget équilibré en recettes et en dépenses. 423 033 000 francs en recettes contre 415 millions en dépenses, soit une balance positive de plus de 8 millions de nos francs. Au plan sportif, au terme des 1171 km de course, le Burkina gagne le maillot jaune, maillot du vainqueur, et le maillot rose, le maillot des sprints intermédiaires. Les étalons cyclistes terminent deuxième au classement par équipe. L'ambition est de passer à une autre étape, la catégorie 2.1. Nous ne le cachons pas, c'est quelque chose que nous avons émis clairement. Voilà. Et même le gouvernement en a été saisi par un rapport en Conseil des ministres. Maintenant, il y a des conditions à remplir. Je pense que la Fédération burkinabé de cyclisme s'attelle à mettre à notre disposition les cahiers de charges pour en tout cas passer dans cette catégorie-là. En attendant, le Burkina tout entier peut être fier de son tour, qui s'attaque désormais à la sous-région à travers des incursions. La Semaine nationale de la citoyenneté qui fête sa 15e édition et ses parrains cross populaires initiés par le ministère en charge de la justice des droits humains, qui a réuni donc différentes couches de la population burkinabé. L'édition 2018 a pour thème un rôle et responsabilité du citoyen pour le renforcement de la paix. Les détails de cette foulée de lancement avec Sié Lassina et Mariam Ouattara. Pour donner le ton de la grande foulée dédiée à la citoyenneté, le Ditanier est entonné au rond-point des droits de l'homme. Après ce moment de solennité, la foule s'ébranle pour boucler une distance de plus de 4 km. La gare routière, l'échangeur de Ouagadougou, puis les coureurs du jour rejoignent leur point de départ, le tout dans une ambiance de fête. Le sport est d'abord un droit. Cette année, au niveau des Nations Unies, il est question de voir par comment le sport on va promouvoir les droits humains. Mais avant tout, vous savez que, comme on le dit, il faut un esprit sain dans un corps sain. Et nous avons voulu, pour démarrer cette activité intense, commencer par le sport, pour nous mettre en jambes, comme on le dit. Mais c'est aussi pour mobiliser et sensibiliser. Cette 15e édition de la CENAC se penche sur la responsabilité des citoyens pour un climat social apaisé. Quand on parle de droits humains et des questions de devoirs, on voit surtout le rôle des autorités. Or, une nation, c'est et des autorités et des citoyens. Ce qui est remarquable, c'est le fait que la frange jeune, notamment les élèves, y ait participé. Parce que comme on le dit, si on veut une nation forte, c'est vrai qu'il faut continuer à éduquer même les adultes, mais la véritable éducation, c'est la jeunesse qui doit grandir avec un certain nombre de valeurs. Et justement, cette jeunesse semble avoir sa petite idée sur ses responsabilités des citoyens. Les citoyens doivent beaucoup aider leurs camarades, leurs amis, et surtout ils doivent tous respecter leurs parents. Et ils doivent toujours respecter tout le monde, tous les gens qu'ils voient autour de lui. Même les inconnus, ils doivent les respecter. Une séance d'aérobic a clos cette foulée de lancement de la 15e Semaine nationale de la citoyenneté. La semaine se déroule du 22 au 30 novembre. Cette brève avant de nous séparer, l'association des pêcheurs en ligne du Faso organise le samedi 1er décembre une compétition de pêche en ligne au barrage de Lumbila à partir de 9h. Tous les amoureux de la pêche en ligne sont invités à s'inscrire au plus tard le 30 novembre. Info line 78 52 08 32. 78 52 08 32 70 14 36 91. On s'arrête là pour aujourd'hui. On se revoit lundi pour un autre rendez-vous du magazine. Bonsoir.